La séquence que tu viens de voir s'est passée sur Twitch. Alors si t'as envie de nous rejoindre, bah n'hésite pas. En plus de ça, il y a un planning qui est mis en place toutes les semaines. Et en plus, on est en live tous les jours, sauf le dimanche, parce qu'après, faut pas déconner, faut quand même dormir. Yo tout le monde, c'est Kylera, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez eu dans le titre d'aujourd'hui, nous retrouvons pour une vidéo un peu particulière, hein, puisque je n'ai encore jamais fait ça sur ma chaîne. J'ai eu l'idée avant le confinement. Avant le confinement, entre temps, bon, il s'est passé un petit confinement où je n'étais pas chez moi et du coup c'était un petit peu compliqué effectivement de pouvoir tourner cette vidéo. Mais comme vous l'avez dans le titre, du coup, je me suis essayé au test ADN. J'ai voulu essayer un petit peu, je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir mes origines et de voir surtout si ça fonctionnait réellement. Du coup, on va découvrir ça ensemble les amis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme vous pouvez le voir, enfin non, vous ne le savez pas de toute façon, donc je vais vous mettre les images maintenant. Donc il y a plusieurs mois de ça, c'était avant le confinement en fait, j'avais commandé sur MyHeritage en fait un kit ADN et je l'avais reçu. Je vous mets quelques images maintenant. Il est assez tôt, je viens tout juste de recevoir le test, le petit kit Martin, et je vais ouvrir ça, je vais faire ce qu'il faut, le renvoyer et après on verra. Alors, ça nous dit de ouvrir le kit de test et poser les équivalents de flacons non ouverts. Ah, mais c'est flippant l'intérieur, on se croirait quand même dans un truc un petit peu à la... un petit peu à la Resident Evil. Ensuite, tu mets ça. Clap. Et tu le casses. C'est fait. Et de 1. C'est cassé. Il est à l'intérieur, ça va partir pour le Texas. Hop, est-ce que c'est bien fermé? Ah bah je regarde, hein, pour être sûr et certain. Voilà. Donc là, les deux sont bien fermés. C'est parti, on peut envoyer ça, du coup j'ai hâte d'avoir les résultats. Comme vous pouvez le voir, j'avais la tête dans le cul hein, quand j'ai fait ça, mais bon, je me suis dit que c'était important de le filmer quand même pour vous montrer les étapes hein, qu'il y a eu avant de recevoir le test ADN. Une fois que je me suis munie de ma petite fiche, que j'ai tout lu, bah, je me suis occupée tout simplement d'utiliser les petits cotons-tiges pour prélever tout ça l'ADN. J'ai tout envoyé, ça a mis au moins bien... Un bon mois avant de revenir, un mois et demi avant de revenir. J'ai eu mes résultats, le confinement est tombé du coup, bah, je n'étais pas chez moi, du coup je pouvais pas tourner la vidéo forcément. Mais là, c'est bon, on peut tourner la vidéo les amis, on est tranquille, on peut la tourner. Du coup, on va découvrir ensemble mon appartenance ethnique. Avant qu'on regarde du coup le résultat les amis, les infos que moi j'ai personnellement au niveau de ma famille, c'est que du côté de ma maman, du coup, on est du côté de la Tunisie, tout ça, il fait bon, il fait chaud. Du coup, on est de ce côté-là et aussi... ma mère m'a dit que j'avais des origines italiennes, du coup, et russes, je ne sais pas. C'est les seules informations que j'ai, donc on va regarder via ce test si ça fonctionne, parce que s'il me sort, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire, l'Irlande, bah écoutez, oh, je serais contente, hein, je serais contente, mais alors là... je serai quand même en état de choc. Du coup, on va découvrir ça ensemble, les amis. C'est parti, moi, j'ai envie d'appuyer sur ce petit bouton. J'ai envie de savoir mes origines. Allons-y. Oh là là. Laura, vous êtes... la musique qui te met. Ah ouais, 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 ouais. Ok. Oh non, j'ai que deux origines, moi. Ah, trois. Iber? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, le 40%! La puissance du 40% est assez incroyable. Hein. Donc, 40% juive séfarade nord-africaine. Bam! On va aller lire ça. 30% de ouest et nord européenne. Donc, France, puis Irlande. Il sait pas trop le bordel. Hein. Il est là, il te fait partir. Il a chopé la France, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique. Il a chopé plein de zones. Et Iber, du coup, c'est quoi? C'est Espagne, Portugal. Ah, vous voyez, je vous avais dit. Sauf que moi, on m'avait dit Italie. Donc là, il y a une arnaque. Là, il y a quelque chose qui se fait pas. On m'avait dit Italie. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On m'avait dit Italie. Est-ce que j'ai le droit de cliquer? Est-ce que, genre, comment ça se passe? Ah, voir l'origine ethnique complète. Je crois que j'ai payé le kit 30 euros. Une trentaine d'euros. Je m'attends pas non plus à ce qu'il me sorte genre une zone bien précise, mais je m'attendais quand même à une zone plus petite. Parce que là, le truc a englobé allez l'Allemagne, je te chope, la Suisse, la France, la Belgique. Ah, mais attendez, il y a 1000 ans. Hein. Oh, attendez, si on regarde. C'est la meuf qui reste accrochée à l'Italie. Attendez, hein, regardez. Si on regarde bien le violet, ok, il y a une concentration effectivement de la masse. Non, il y a une concentration ici, ok.
Là, bon, c'est moins concentré. Mais quand même. Mais quand même. Donc ça pourrait être bon. Ça pourrait être bon, franchement. Donc ça pourrait être correct. Donc très bien, très très bien, très très bien. Et par contre, moi, ça a été vraiment... Bam, de l'autre côté, Afrique du Nord. Bam, Juifs et Varades. Boum, 40%. Ah bah au moins, moi, t'es sûr, hein, là, de... Là, bon, après ça, je le savais parce que bah, du côté de ma maman, ma famille est tunisienne. Donc, du coup, bon, je me suis doutée. Donc, moi, je pense que là, effectivement, on est. Alors là, c'est pareil. Là, ils ont attrapé toute cette zone-là directement. Bam, on chope le tout. Du coup, bah, du coup, c'est là. Du coup, pour moi, il n'y a pas de doute. C'est ici. Ma mamie est née à Tunis. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Pour moi, on peut pas se planter. Donc, s'il faut, il y a d'autres. Ah, je connais pas tout mon arbre. Hein. Moi, je connais que celui de ma maman et ça s'arrête à mon arrière-grand-mère. Voilà. Point. Terminé. Un bel arbre, hein, n'est-ce pas? Voilà. Moi, c'est tout ce que je sais. Donc, du coup, j'ai pas plus d'informations sur ça. Mais ils te chopent quand même une sacrée zone, hein, les trucs. Alors, attendez. Et Iber. Iber, du coup. Ah, mais Iber. Bah, alors, attendez. Ils me chopent l'Espagne? Parce que, attendez, il y a une arnaque. Ah, mais regardez! Mais attendez, mais c'est magnifique! Regardez, en fait, j'avais pas vu. Ok, cette zone, elle est là, ok? Mais là, quand tu cliques sur Iber, qu'est-ce qui est entouré? Donc, très bien, la concentration. Je suis d'accord, je vous vois déjà crier. Je vous vois en train de crier. Mais non, mais la concentration violette! Elle est en Espagne, Portugal! Tout ça, tout ça! Oui, mais il y a encore du violet qui va vers l'Italie. Donc, moi, je me dis, les spaghettis. C'est l'amour que j'ai pour les spaghettis bolo, ça vient de l'Italie, c'est sûr. L'amour que je porte à ça, c'est sûr, je pourrais passer ma vie à ne manger que ça. C'est sûr que ça vient de là-bas quand même, je ne l'invente pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est très très... c'est focus... Enfin, c'est très très grand en fait. Ah, on a des infos, attendez, correspondance ADN, toutes les origines disponibles. Comment ça? Oh, mais attendez! Attendez, oh là là, je suis dégoûtée, regardez, Scandinave, 0%, on est foutu, Scandinave, on est foutu, hein. Il n'y a rien. 0% sur Scandinave, Finlande, regardez, mais regardez-moi comme c'est clair, en fait, il n'y a même pas de genre 1%, 2%, 3% par là, 1% par... Non, moi c'est directement Ouest et Nord européenne, bam, 30%, mange, Iber, boum, bouffe, Italienne, 0%. Ah, bon bah là, oui. Du coup, ah, bah du coup, ça nous bousille un peu nos plans parce que alors moi qui étais toute fière, qui étais toute contente, l'Italie, ça ne, non, ah bah non, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis un petit peu déçue, je vais pas vous mentir, je ne sais pas pourquoi je m'attendais à une bête d'arbre avec tout un bordel, peut-être pas tout un bordel, non, faut pas déconner non plus, mais je m'attendais à un truc quand même. Je m'attendais à avoir des surprises. Là, la surprise que j'ai, c'est que je ne vois pas l'Italie. Bon, je me dis c'est pas normal. Techniquement, il devrait y avoir l'Italie. Oh, par contre, la Russie, on en a parlé en début de vidéo. La Russie, elle n'existe absolument pas. Je pense que ma mère m'a dit de la grosse connerie. La Russie, de toute façon, je n'ai jamais vu un brin de russe sur ce visage. La Russie, non, je cherche encore. Regardez, je. Non, je cherche la Russie, il n'y a rien de russe là-dedans. Non, 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 non. Il n'y a rien de russe, je supporte pas l'alcool, j'ai tout le temps froid, j'ai les cheveux foncés comme jamais, j'ai les yeux hyper foncés. Non, 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 mais il n'y a rien de russe du tout là-dedans. Non, mais cherchez pas, cherchez pas. C'est foutu, c'est foutu. Donc du coup, bah écoutez, moi c'est net. C'est net en fait. D'un côté, il me dit genre à peu près Espagne, de l'autre côté, Afrique du Nord, donc Tunisie. Moi, je pense que c'est plutôt la Tunisie et tout. Et puis après, bah, Europe du Nord, pour moi, bah, du coup, c'est la France. Hein. On est sur la France. Hein. Je suis dégoûtée pour l'Italie. Je suis dégoûtée, les amis. Cette vidéo aura été courte. Hein. J'ai découvert mes origines. Ça aurait été court, mais bon, au moins, on est au courant. Au moins, on est au courant de tout ça, quoi. Donc, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait ce type de recherche concernant votre ADN. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout un partenariat avec MarieHéritage. Je l'ai payé. Hein. J'ai payé le pack. Donc, par contre, faites attention. Si vous avez envie de tester et payer le pack, moi, je me suis fait débiter après. Du coup, j'ai dû faire opposition. Je me suis fait débiter une centaine d'euros. Quoi, genre 15 jours après?
pour un abonnement d'un an que je n'avais pas demandé. Du coup, bah, j'ai fait opposition, j'ai été remboursée, mais faites attention à ça, surveillez bien, parce que moi, j'ai été débitée après. Du coup, j'étais pas contente, vous en doutez. On n'est pas très heureux, dès qu'on se fait débiter comme ça, autant d'argent sur son compte, bon, ça fait pas plaisir. Hein. Donc, n'hésitez pas, les amis, à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé, si vous connaissez peut-être même déjà vos origines via votre famille, peut-être qu'il y a un putain d'arbre de ouf et qui vous l'a partagé et vous connaissez toutes vos origines. Ça m'intéresse vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup, vos origines, je les lirai avec plaisir. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous et j'ai pas de tapis pour repartir en tapis, j'ai pas Aladdin non plus, ni de lampe magique, du coup, bon. On va le faire à l'ancienne, quoi. N'hésitez pas à me follow sur les multiples réseaux sociaux listés juste en dessous. À me suivre aussi sur Twitch, c'est là où je live tous les jours, sauf le dimanche. Parce que le dimanche, bon, c'est quand même le jour de repos, on va pas se mentir, mon petit Michel. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !